Salut tout le monde, c'est Xoké, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! 5 des Tag Force 5. Aujourd'hui, nouvel event avec Suspense. En tout cas, vous savez que c'est pas Primo, puisque son cœur n'est pas complet, mais ce sera soit Crow, soit Cherry. Alors on va avancer. L'heure du jeu, fin de journée, on ne perd pas de temps. Fais ce que tu veux. Ah, lui, il est toujours aussi vénère. Et le Vengeur impitoyable. Par contre, oui, en fait, je me suis dit, finalement, je peux pas faire un truc random, c'est-à-dire compléter les trois cœurs des, enfin, les cœurs de mes trois personnages, de mes trois partenaires, puisque après, si c'est totalement random, je vais pas avoir le bon deck. Hein, donc, je préfère avoir le même deck que mon partenaire. Bonjour, Alex. J'ai encore dormi ici. Cette chambre est un calme incroyable. Oh, allez, c'est pas marrant de dormir toute seule. Oui, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Si tu veux, tu peux dormir avec moi, Cherry. En plus, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à dormir. C'est certainement parce que je n'ai personne qui me serre dans ses bras. Mais qui la serrait dans ses bras avant? Ah. Bah, si tu veux... Oh, allez, si tu veux, chérie. Cherry, je veux bien te serrer dans mes bras, voilà. Bref. Oh, ne t'en fais pas pour Ellsworth. Je ne veux surtout pas l'accabler. On va rester un peu éloigné le temps qu'il guérisse. Alors pendant ce temps, je vais m'incruster chez toi de toutes les façons possibles. Et imaginables, et oui. Pour commencer, est-ce que tu étais au courant pour le roi, Alex? Oh, pas Jack Atlas. L'actuel roi du duel est Yusei Fudo. Il se fait plutôt discret, reste dans l'ombre. Mais j'ai entendu dire qu'il était extrêmement doué. En plus, c'est un des signeurs du dragon écarlate. Haha. Je t'ai déjà dit que les garçons costauds me faisaient craquer. Ouais, je suis costaud, hein, tu sais. Pour combattre l'ennemi, il me faut des coéquipiers puissants. Alors si Yusei Fudo est plus fort que moi, il serait un meilleur coéquipier pour moi. Héhé. De toute façon, je vais me décider une fois que j'aurai pu rencontrer Yusei Fudo. Le roi. Tu ne veux pas venir avec moi, Alex, pour voir le roi de cette ville? Bon, bah apparemment, je suis obligé. La meuf, elle... Oh, du coup, elle aime pas dormir toute seule et elle préfère dormir dans les bras d'un homme. Bon, je pense que... Ça, si ça, c'est pas un signe, les gars... je vais dire. J'aurais préféré que ce soit Akizia qui nous dise ça, mais bon. Apparemment, c'est Cherry qui va nous le dire. Je suis désolé, mais Yusei et les autres ne sont pas là pour l'instant. Quel dommage. Quel mauvais timing. Ils sont partis tester leur duel moto. Dommage que tu arrives juste quand ils sont partis. Les connaissant, c'est impossible de savoir quand ils seront de retour. Léo avait promis de m'attendre, mais le voilà parti, me laissant en plan. Les hommes, je vous jure. Mais je suis là. Ce ne sont plus des enfants pourtant. C'est tellement bête de se laisser emporter comme ça. Attends un peu, ils ne sont pas censés être des signeurs? Qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans les duels turbo de toute façon? On dirait que c'est une bonne occasion d'évaluer les véritables talents du roi. Allez, tu vas leur en vouloir pendant longtemps? Tu ne devrais pas te focaliser sur les aspects négatifs. On dirait que tu es en train de faire la tête parce qu'ils t'ont laissé. Non, pas vraiment. Le fait d'avoir des amis si compliqués ne doit pas être évident pour le roi. Yusei Fudo. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est vrai, non? Les duels turbo sont des combats où il faut faire preuve d'audace et de sang-froid. Cela m'intéresse qu'une poignée de duelistes en quête de frissons et de vitesse. J'ai pas trop compris en fait la phrase, mais bon, bref. Alors si tu penses que c'est bête, eh bien je plains Yusei. Mais attends un peu, comment peux-tu en savoir autant sur Yusei? Je sais, c'est tout. En voyant simplement ce garage, je vois à quel point il aime son véhicule. Et en prend très bon soin. Je suis une pilote moi aussi. Donc si je passe un peu de temps avec lui, on pourra partager pas mal d'infos. L'esprit et le corps se fondent dans le vent et la vitesse. Trois petits points. Elle aime ça, hein, Luna. Ah, quand ça parle de corps et tout, hein, ouais. Mais de quoi parles-tu?
On va revenir plus tard, Alex. Inutile de rester ici une minute de plus. Mais attends un peu. Ah, Kisa, du calme. Quoi? Mais je n'ai rien à te dire. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. C'est moi la seule qui puisse vraiment comprendre Yusei. Battons-nous. Je vais te le prouver avec un duel. Très bien. Mais je l'accepterai que si on fait un tag duel avec cette fille là-bas. Hein? Moi aussi? Tu veux vraiment comprendre Yusei aussi? Pas vrai? Eh bien, je ne suis pas sûr. Quand un garçon te plaît, il faut que tu apprennes à le comprendre. Alex, montrons à ces demi-portions de quel bois on se chauffe. Surtout, ne retiens pas ta force. Montre-leur la férocité, le mélange de douceur et de brutalité qui constitue ton pouvoir. Ah, apparemment, je suis doux. Ouais, c'est vrai. Allez. Gagné. Donc, contre Akiza, non, on va devoir réaffronter Akiza. La belle Akiza. Deuxième à jouer. On va partir sur ça. Comme ça, je vais pouvoir voir ma main. Akiza, Luna versus Cherry LeBlanc et Alex avec leur deck chevalier sacré. Hihi, je sens une brise. Très bien. Et Akiza, les gens peuvent apprendre à se connaître grâce au duel. Ok, bon. Alors les gars, on commence pas. Enfin, on est en deuxième. Ouais, bon, j'ai pas une main de ouf. J'ai une main qui est bien pour nous cover, mais après, c'est pas trop... C'est pas trop ça. Sauf si je top deck le deuxième matériel de fusion, là, ça pourrait être bien. Alors, Cherry LeBlanc. Fusion du futur. Je savais que tu ferais ça. Ah non, Typhon d'espace mystique, no way. Bon, bah, RIP. Fusion du futur. Ouais, non, ça va. L'effet n'a pas eu le temps d'être activé. Elle pose un monstre, qui est la Vierge Clémente. Ça, c'est pour invoquer Saint John. Sacrifie cette carte de face recto pour envoyer dans votre main un de vos monstres détruits au combat durant ce tour. Ouais, bof. C'est moyen, c'est moyen. Enterrement d'une autre dimension et pour nos rêves. Ici même, ok. Épée de révélation de lumière. Et encore plein de cartes face cachée. Allez, violent rage. No way. Oh, en plus, veux... Oh non. Veux le solennel. Bon. On va poser le Master en ciel. On va poser... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs de merde. Route étoilée. Et on va mettre le... La Jeanne. Le chevalier sacré. Et... Avertissement divin. Ouais. Moins 2000. Bon, elle détruit mon monstre. Elle a payé 2000 life points. C'est quoi? C'est défausser une carte depuis votre main aussi, pour sélectionner les monstres de type guerrier de niveau 4 depuis votre... Non. Non, non, non. On va pas activer ça. Et on va... Une phase. On va une phase. Ah, ça va être chiant. Je sens que ce duel va être chiant. Quand je vois Vœu Solennel, épée de révélation de lumière sur le terrain et revenir contre Luna, elle est chiante avec son deck. Dois-je le faire? Invocation du monstre en position d'attaque. Floraison de feu, ouais. Ouais, du coup, elle va le sacrifier. Elle va invoquer une titaniale. Non, on va pas activer ça tout de suite. C'est là que je... Invocation spéciale du monstre de mon deck. Gigaplante. Ah, gigaplante, ça me va. Là, on peut activer hommage torrentiel. Comme ça, tout est clean. Nani? Et en plus, il y avait... Oh, il y avait un marshmallow dans les cartes. Ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on aime. Je n'y arrive pas si tu es là. Hein? C'est à mon tour. Ok. Elle avait vraiment dit ça. Sympatoche. Elle pose une carte qui est... Vive la liberté, Typhon d'espace mystique. Ok. Elle aurait pu... Ouais, non, de toute façon, elle pouvait pas attaquer, donc ça servait à rien. Oh non! No way! Je le savais. Typhon d'espace mystique. Au moins, elle fait le Typhon d'espace mystique sur les épées. Comme ça, elles reviennent pas. Et bon, bah, toutes les cartes reviennent dans la main de Cherry. Bon, elle va tout reposer au prochain tour. Ça va. Colibri aérien. Non! Elle va récupérer plein de PV. 2500 de LP Life Points. Bon, nous, on va perdre du sang. Ça va. Ça me gêne pas. Mais bon.
Poser une carte. Deux cartes, ok. Et à mon tour. Ah, ok, vœu solennel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. J'ai pas grand chose à faire. Hein. Je peux mettre. Lorsque cette carte est invoquée normalement. Je peux ajouter un lancier. Avec une polymérisation ou une polymérisation. Non, je préfère rester comme ça. On va rester comme ça. Bon, elle va se heal avec son colibri. Elle va peut-être même sacrifier. Ouais. Elle va regagner 500. Elle va gagner 2. C'est combien avec mes cartes? Ouais, c'est 500 par carte. Donc elle va regagner 2000. Ouais. 12000. Oh, ça va. Tout va bien. Lion botanique. Ah, lion botanique, par contre, va vraiment être gênant. J'aurais dû mettre le vortex foudroyant face cachée. Pour Cherry, prochain tour. Fin de phase. Ouais. Alors on est vraiment pas bien. Mais avec Cherry c'est trop compliqué. On a un deck vraiment bof. Bof x 100 quoi. Hommage torrentiel, ça va. Avec vœu solennel, ok. Bon alors il y a une 500. Elle va réactiver l'effet du colibri aérien. Elle va récupérer 2000. 14500. Oui, tout va bien. Et sport. Me voilà, fruitier des ténèbres. Donc il est invoqué. Elle est là, c'est hommage torrentiel instant. Voilà. Comme ça, on détruit tout le terrain vert. Quoi? Parfait. Sport. Ah, du coup, il... Ok, bon, il a 400. Ça va nous faire très mal. Et même notre monstre, dans notre main, va pas pouvoir faire des... va rien pouvoir faire contre lui. C'est chiant. Permutation de créature. Ok. Bon, on va mettre notre destrier au chevalier, des chevaliers aux fleurs. On va activer son effet. On va prendre... Non, ça on va pas activer. On va prendre le lancier. Est-ce que le lancier peut être bien? Je ne sais pas où... Ouais, on va prendre le lancier. On va prendre le lancier, comme ça si on top deck un destrier, ça pourra être pas mal. On va poser le vortex foudroyant, on va poser une permutation de créature. Et c'est tout. On va une phase, comme ça... Cherry va pouvoir en profiter au prochain tour. Alors il gagne 500 points, 15000, bon, ouais. Pratiquement doubler ses points de vie. Sorcière de la rose noire. Ah. Ça va être un petit peu plus problématique. Là on va commencer à prendre cher au niveau des life points. On est plus qu'à 2400. Ouais. Synchro avec ton ta partenaire. Non, on va lui laisser avoir sa pioche de la destinée. On se bat sur un fil tranchant. Pour la lumière qui éclaire la vérité. Boum. Oh, pas mal. Pas mal l'animation. Alors qu'est-ce que ça va être? Une carte de merde. Bon. Activation de la magie. Ah oui. Au moins il y a le vortex foudroyant. Elle va défausser Vive la liberté. Ça ne servait à rien. De toute façon, cette carte de merde. Je n'y crois pas. Bacan. Ensuite. Elle pose une carte. Pour nos rêves. Et route étoilée. Non mais. C'était quoi sa carte en top deck là? Ça servait à rien. Bon. Oiseau de la rose. No way. No fucking way. Bon. Il nous reste 600 points. Bon. Y a pas... C'est pas comme s'il y avait 15 000 de différence entre nous. Hein. Ah. C'est nul. Quoique on peut faire un échange de cartes. On va lui donner une fleur synchronique. Voilà. On va mettre permutation de créature. On va échanger les deux monstres. Non, je vais pas activer l'enterrement d'une autre dimension, ça ne sert à rien. Hop, je te donne ça. Waouh, on a un monstre fort du coup. Et ça fait quoi? Ah non, c'est... Non. Ah oui, non, c'est bon. Allez, battle phase. Hop, attaque. Et là, armure se couvre dessous. Non, c'est bon. Moins 1400. D'ailleurs, les... type lumière. Enfin, attribut lumière. Cœur synchronique. Ça fait plaisir. Pour une âme de pureté et de lumière que je n'ai pas.
Ça aurait pu être une bonne carte. Et apparemment, elle n'a pas grand-chose. Elle pose juste un monstre. Heureusement qu'on a réussi à lui piquer un monstre comme ça. Ça nous sauve un petit peu avec nos 600 points de vie. Si on arrive à remonter, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment des dieux. Avec nos decks de merde. Surtout qu'on a aucun heal, renfort de l'armée. Elle va récupérer quoi? Jeanne, le chevalier sacré. Ouais. Du coup, elle va l'invoquer. Et elle va attaquer avec l'oiseau de la rose. Hein. Ouais. C'est un seigneur poison, ok. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il peut... Ah oui! Ouais. Permutation de créature. Non, permutation de créature! Putain! Permutation de créature, mon grosse conne! Oh putain! Non mais en plus, mais je sens qu'elle a rien face cachée qui peut la sauver pour nos rêves. Non, elle a rien! Putain, on avait permutation de créature! Vous pouvez voler son monstre! Putain, bon, un retry, hein. Oh! J'en ai marre d'avoir des partenaires aussi cons. Allez, ciseaux. J'ai tout le temps des partenaires si cons comme ça. Allez, premier à jouer. On commence. On commence. Cette fois-ci, je pense que ça va nous porter bonheur. J'espère. Cherry LeBlanc 01. Chevalier sacré. Hop. On est à 16 minutes, ça va. Les gens peuvent apprendre à se connaître grâce au tu... Oui. On connaît. On connaît les bras. Et maintenant, la vérité. Ah, la vérité. Du coup, fusion du futur. Ok, pour invoquer Mina la centauresse. Elle défausse ses deux monstres. Dans deux tours, on pourra l'invoquer. Elle pose un monstre face verso qui est la dame guerrière des dés, donc ce qui est pas trop dégueu. Bon style de duel, oui. On n'a pas assez de monstres forts, hein, puisque les monstres... tous ces monstres, chevalier aux fleurs, chevalier sacré, ils sont moyens. C'est très moyen. Ok. À notre tour. Oh, on a un typhon d'espace mystique. Que je garderai bien. Hein, puisque contre l'autre, là... Ouais. On va placer ça face cachée. On va mettre la dame guerrière des dés en mode attaque. On va mettre le lancier des chevaliers sacrés en mode attaque aussi. Pourquoi? Bah parce qu'on a un honnête dans notre main. On va battle phase. On va attaquer avec dame guerrière des dés. No. Ah, ça passera pas. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Activer l'effet de la dame guerre. Dédé. Non. Non. Et une phase. Allez, autour de Luna. Hein. Ah, j'ai pas mis le typhon d'espace mystique en phase cachée. Ça aurait pu être mieux. Non. Ah, ça va. Tiens, je te donne un petit pot de vin. Comme ça, tu détruis pas ma carte. Je sais que t'aimes bien les pots de vin, Luna. Voilà. Du coup, elle a pas mal de cartes en main. C'est pas trop une bonne idée. Oiseau de la rose. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va attaquer? Eh bien, je vais activer l'effet d'Honest. Comme ça, ton monstre ne va pas détruire mon monstre. Et il va être détruit, du coup. Et elle pose une carte face cachée. Et c'est tout. Ok. Donc deuxième tour pour la fusion du futur, elle va pouvoir invoquer Mina la centauresse. Et ça c'est bien. Mina la centauresse, elle reste pas mal. Elle reste pas trop dégueu, ça pourrait nous éviter les forces de miroir, etc. Lancier des chevaliers sacrés. On va peut-être en sacrifier un. Ah, l'union fait la force. Bah, sur Mina, on est d'accord. Du coup elle a 5400, tout va bien. Tout va bien. Et fauche-les, Mina la centauresse. L'âme gracieuse. Ici même et maintenant, mur d'épines. Et là, on va pouvoir activer l'effet de Mina la centauresse. Dans ce cas, effet de monstre. Voilà, comme ça, sa carte retour face cachée. Au moins, ça évite l'activation. Voilà. Et elle ne pourra pas l'activer pendant un tour, hein, bien sûr. Puisqu'elle a été reposée. Moins 1500. Moins 800. Et encore moins 800 pour l'autre. C'est... voilà. Là, allez. Bien. Sur ce coup-là, sur ce début de game-là, on est bien mieux que tout à l'heure.
On a quoi face cachée? On a quoi face cachée? Vive la liberté, ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, épine diabolique. Du coup, elle peut le sacrifier pour m'infliger 300 points de dégâts. Et invoquer deux autres épines diaboliques. Ah non, une autre. Épine diabolique. Et c'est tout? Ok. Ok. On va du coup mettre fracasse. On va... Oui, on va activer aussi le petit four d'espace mystique. On va détruire toutes ces cartes face cachée, là. Sélectionner une carte à détruire. On va détruire celle-ci. Puisque l'autre, de toute façon, on sait qu'on peut l'annuler. Ok, nos pixies. Mais de toute façon, on peut détruire la deuxième avec l'effet de fracasse. Hop. Activate. On va détruire ça. Voilà, le mur d'épine. Je n'y crois pas. Eh ben si, je pouvais la détruire depuis longtemps. Et battle phase, on va terminer ce duel avec Mina la Centauresse. Et... Ah, voilà, terminé. Tu as gagné. Les lives pour les deux tours adversaires ont été réduits à zéro. Défaite complète, tu es bon. Pourquoi te donnes-tu la peine de te battre en duel? Sale noob, nul. 1356 DPA, c'est bien ça. Ça c'est bien. On a perdu. Grrr. Trois petits points. Les pilotes de duel moto. Les duels turbo. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça au juste? Désolé, mais c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Dites bonjour à Yusei de ma part. On se reverra peut-être. Ah, Kiza. C'est bizarre. Je me sens frustré, vexé et effrayé. Est-ce que je connais réellement Yusei si bien que ça? Je veux voir expérimenter le monde tout comme lui. Je veux savoir ce qu'il a au fond du cœur. Très bien. Ah, et on a quand même un... Ouf! Ouf, oui, ça va. Merci. Ça va bien. C'est vraiment vrai qu'on ne peut pas comprendre, à moins d'en faire l'expérience. Soi-même. J'avais une petite idée des véritables pouvoirs des Signeurs, mais j'ignorais que leur duel psychique était si impressionnant. Je ne sens presque plus mon corps. Désolé, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Trois petits points. À une certaine époque, moi aussi j'étais comme ça. Quand j'étais une enfant naïve, comme ces filles... comme ces filles. Ma vision du monde était simpliste et étriquée. J'étais convaincu que le monde était joyeux et sans souci. Mais le monde n'est pas tendre du tout. Ah. À cause d'une certaine carte qu'on avait acquise, ils nous ont subitement attaqués un jour. Et mon père. Et ma mère. Trois petits points. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Les Iliasters. J'aurai ma revanche. Coûte que coûte. Même mon nounours en peluche a péri dans les flammes. J'y tenais plus que tout depuis ma plus tendre enfance. Avec cet ours en peluche, ce sont mes souvenirs de mes parents et de mon enfance heureuse qui sont partis en fumée. Tout ce qu'il me reste, c'est la vengeance. Oh, désolé de t'imposer toutes ces histoires. Je vais mieux maintenant, merci. Nos chemins se séparent là aujourd'hui. A plus tard, Alex. Très bien. Jour 147, et on a une carte... Griffe d'extérieur, ok. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Mais d'ailleurs, je me dis, mais Cherry, on peut lui donner des ours en peluche pour augmenter son amitié. Il ouais, y en a qui sont un petit peu... Ah, tiens, MC, donne-moi une récompense, une boîte noire. Cette boîte ne contient rien, quel fils de... Voilà, allez, dégage. Bon. Eh, machine, Cherry, serpent en peluche. Ah, j'ai plus d'ours en peluche, bon, c'est dommage. Allez, ciao. Toi, tu dégages de la carte, dégage de la carte. On oublie ça, ok. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, un visuel. Si ce n'est pas fait, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain event. Et je vous dis bye bye tout le monde.